Toujours comme ça. Ah oui, c'est deux cartes. Ouais, deux cartes. Théo initie Sarah au métier de croupier. Il est lui-même à la fin de son cursus de formation, d'une durée de 10 semaines, chez Cérus Casino Academy. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nuit, donc j'aurais du mal à avoir une journée assez conventionnelle, me lever à 8h, 22h au lit avec un petit bol de soupe. Voilà, j'ai un peu du mal. Donc le côté, oui, pouvoir vivre la nuit, le côté festif, puis le casino, qui est un établissement en général assez luxueux, bien chauffé. Sarah a 18 ans. Après un passage par l'école de la deuxième chance, elle participe à un atelier découverte du métier de croupier. J'aime bien jouer aux cartes, j'aime bien les sous, j'aime bien le monde de la nuit. Après, j'en connais pas plus sur ce métier, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais pour l'instant, je suis satisfaite. Et puis, pourquoi pas rentrer dans la formation de croupière. Ici, les élèves développent leur mémoire visuelle et leur dextérité. Rigueur et concentration sont les qualités essentielles du professionnel aguerri. Nous accompagnons chaque stagiaire dans son emploi, jusqu'à son premier emploi. Les casinos français viennent recruter directement dans le centre de formation, donc ce qui nous permet de proposer diverses offres d'emploi partout en France. Il faut avoir conscience que le métier a des contraintes pour certaines personnes, comme par exemple le travail de nuit, le fait aussi qu'on travaille forcément sous pression quand on est croupier, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, et c'est pas votre argent, c'est l'argent du casino ou c'est l'argent du client, donc il faut être extrêmement rigoureux, il faut être concentré en permanence. L'école a formé cette année 30 stagiaires à Marseille, 150 à travers la France et l'Europe, désormais titulaires d'un diplôme reconnu par la profession.